Ils sautent, ils tournent, ils volent. Les 46 acrobates du Cirque du Soleil font trembler le zénith depuis hier. Kidam, c'est leur spectacle, l'histoire d'une jeune fille négligée par sa famille qui va se retrouver plongée dans une aventure bouleversante et renversante. Les gens dans la salle peuvent connecter avec les individus qui sont là. Parce que vraiment, la différence, c'est qu'on a vraiment 46 personnages différents sur scène qui travaillent ensemble par moment, qui travaillent individuellement par autre moment, mais de se reconnaître un peu dans comment ces personnes-là sont. Il y a des numéros qui sont plus touchants que d'autres. Le numéro de tissu, le numéro de main à main, qui est toujours avec aussi que ce qui se passe alentour de ce numéro-là, touche les gens. Par la qualité technique, mais aussi parce que c'est visuellement très beau à regarder. Je pense que le but, ce n'est pas juste de toucher, mais je pense qu'une expérience au cirque, c'est une expérience qui nous fait voyager à travers différents moments d'émotion. C'est toujours assez intense, je veux dire, c'est un travail. Les concepteurs sont là à la table pendant au moins un an, et puis après ça, il y a un travail d'au moins 8 mois avec les artistes pour monter un spectacle de cette envergure pour le cirque. Canadiens, mais aussi hongrois ou encore japonais. Les artistes de la famille Kidam viennent des quatre coins du monde, un point que l'acrobate Jean-Philippe Vian, au Boom Boom dans le spectacle, apprécie particulièrement. C'est pas donné pour tous, faut aimer voyager, faut avoir beaucoup d'entre-gens parce qu'on vit dans une grosse famille d'une centaine de personnes qui viennent de 20 pays différents, parfois même plus. C'est sûr qu'il y a des chocs culturels, mais pour moi, c'est une expérience qui n'a pas de prix. À chaque jour, je me lève puis je peux fréquenter 20 cultures différentes sans bouger de mon lieu de travail. Parfois, il y a des publics qui sont beaucoup plus silencieux. Il ne faut pas penser qu'ils n'aiment pas le spectacle. Un public qui est silencieux est un public beaucoup plus interne, beaucoup plus en contact avec ses émotions. Ça va m'amener à l'intérieur de moi-même. Ça va m'amener à réfléchir à ce que je ressens, ce que je pense. Un public plus énergétique va m'amener à être plus énergétique. Un public qui est plus interne va m'amener à être plus interne. Mais c'est la beauté de la chose. Pour moi, il n'y a aucun spectacle qui est le même. De l'émotion et de la magie, il y en aura tous les soirs au Zénith de Strasbourg jusqu'au 16 mars.